Eh bien salut tout le monde, c'est Cloppy Boys, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 13. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pu proposer de vidéo, donc pour mes 1 an de chaîne YouTube, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur FIFA 13 tout simplement. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Arthur, salut à toi. Salut, salut tout le monde. Donc j'espère que tu vas bien. Toujours, toujours. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo pack opening. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est juste une vidéo où je vais ouvrir des packs sur FIFA 13. Tu connais ou... Ouais, je connais. Tu connais. Donc j'ai 2200 points FIFA. Après vous voyez mes matchs, hein, bilan. Vous allez vous demander pourquoi j'ai 282 défaites. C'est tout simplement parce que quand je suis en division 1, je fais exprès de perdre les matchs pour redescendre en division 2. Pour à chaque fois après gagner un titre avec 10 000 crédits. C'est plus facile pour gagner l'argent. Après je sais que ça fait des défaites, mais bon, ça je m'en fous un petit peu, je me prends pas la tête. Donc aujourd'hui il y a des happy hours. Donc, tout simplement qu'aujourd'hui dans les packs en or, c'est ce que je t'ai expliqué avant, c'est que dans les packs or premium, non c'est pas cela, c'est or premium, bah vous avez tout simplement 24 éléments. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit, exact. Ouais, avec 7 rares, bon, tous en or, la plupart en or quasiment. Donc c'est aujourd'hui, donc en plus ça tombe bien parce que j'avais prévu de faire une vidéo, et en plus il y a les happy hour, donc je crois que je vais... Il y a 7 packs à ouvrir là. De Happy ouais, Hour ils sont, ouais. Et peut-être encore un de pack or normal. Donc on va vous faire à tour de rôle chacun un pack. Donc j'espère qu'on aura de la chance. Espérons. Qu'on pourra essayer de choper un petit Zlatan ou... Un petit Messi. Un petit Messi, ça ferait plaisir. On peut pas le cacher. Bon, on va voir. Donc je commence. Donc j'espère qu'on aura de la chance. Dans mes packs. C'est parti. Pas couvert. On va commenter tout ça. Voilà, alors là, j'ai même pas eu le temps de voir qui c'était. Alors, alors là, des contrats, il y en a. Déjà, je n'ai pas. Benitez. Ah, Benitez, je le cherchais en plus. Par contre, Guacliarella, BU. 83 en frappe. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, après, vitesse. Benitez. 87 en vitesse. Ça, c'est bien, ça. Ouais, vitesse, c'est bien, ça. Mettre sur l'aise, ouais. Je pense que... Ouais, ou alors je le mets en BU. Pointe. En ouais. Pointe, ouais, voilà. Voilà. Alors attends. Bah, je vais conserver dans le club. Bah écoute, je vais garder tous les joueurs et je les mettrai en vente plus tard. Tu peux en garder, il y en a que tu peux... Pas prendre, celui-là, par exemple, je vais le tèche direct. Il a du stade de merde. Ah, il date celui-là. C'est un bonhomme. Lui en gardien, alors là, il joue. Barclay, je le vends direct. Et une question là, les joueurs que tu vends là, c'est des joueurs qui aussi jouent en ligne peuvent les acheter, c'est ça ou... Bah c'est FIFA qui les reprend et qui après les remet dans des packs, je pense. Ah, ou, enfin je sais pas, je me suis jamais posé la question. Okay. Lui, c'est un peu à chier, mais on va le garder. Donc celui-là il a des stats un peu pourris, donc on va le revendre. On va le garder. Sert à rien. Ensuite, pour les dribbles, bon, on va garder. Contrat, on va vite lister les contrats. Voilà, ça part comme des petits pains. Si vous mettez 250 en achat immédiat, vous allez voir. Bon, je vais pas tous les mettre, je vais en mettre que quelques-uns. Lister éléments. Bon, je vais essayer de me dépêcher un petit peu, j'en ai encore deux. Après, je vous ferai juste découvrir mon équipe, ça vous verrez un peu ce que j'ai. Parce qu'en ce moment je joue beaucoup Ultimate Team, hein. Call of j'ai un peu laissé tomber. Parce que j'avais trop joué et je pense qu'à un moment donné on s'en lasse un petit peu. Ouais. Exact. Donc là je vais le mettre dans le consommable. Alors moi aussi je vais garder. Bon moral équipe ça sert à rien. Moral équipe, entraînement, peut-être ça sert à rien. 3-4-3 ça sert à rien. Personne 3-4-3, sporting, stade. Tout ça je vais garder. Et le reste, on va vendre direct. Vente rapide, tout le reste. Voilà. Donc, vas-y, je vais te laisser l'honneur d'ouvrir le deuxième pack. Donc, je pense que voilà, c'est sur le dernier. Voilà. Pour FIFA. C'est parti. Oui. Alors, j'espère que tu auras plus de chance que moi. Espérons, c'est bon. Espérons. Alors, là, je n'ai même pas eu le temps de voir qui c'était non plus. Alors, beaucoup de contrats à nouveau. Alors, là, Seto. Tu peux le... Pas grand chose de spécial, franchement. À première vue, on va le virer, on va prendre la tête. Lee Dong-gok.
80 en tir. Non, j'ai trop de BU. Pour l'instant, j'ai pas envie de me faire une deuxième équipe. Alors, 37 de vitesse. Oui, c'est... il va nous servir, mais énormément il va beaucoup, celui-là. Il va beaucoup nous servir, je pense. Donc, on va pas se poser la question. Alors, Jonas en AT. Ouh, ça peut être pas mal. On va garder. En dribble, quoi. Bender, MDC en défense, tête et dribble et passe. Ça va. Vitesse, bon. On va le garder. On sait jamais. Ensuite, Leandro Damlas. On n'a pas des très bonnes stats, hein, à part pour la tête. Vitesse, vas-y, on va le garder. On l'avait déjà avant, lui, non? On l'avait déjà avant. Hein. Voilà, c'est on vient de se faire défoncer. on va les garder maintenant, les contrats. Un pas qu'on les garde, un pas qu'on les garde pas. Donc, pile consommable 75. Ah, j'ai eu, il me semble, l'écusson de quoi? Manchester City. Manchester City. Voilà. Donc, ça, je le garde pas, ça, je le garde. Ouais. Ça se vend pas, ça peut se vendre. On va hésiter direct. Je sais pas les couilles, comment il part. Avec les questions de Manchester City, je pense que ça peut se vendre. Le maillot de Dortmund, je sais pas si c'est bon. On va tout garder dans le club, on verra plus tard. Ballon, on va voltage avec. City, on va le garder. Et là, vente rapide. Allez, pardon. Donc, je vais en ouvrir un nouveau, hein, sur mon tour. C'est le dernier, je crois. Mais non, on va pouvoir en ouvrir beaucoup plus. Ouais, mais je vais dire. Ah, ok. Ouais, faut l'excuser, il a pas trop l'habitude de Ultimate Team. Non, je suis souvent sur Call of, et là... Ballesteros, quand j'ai vu Ballesteros, moi je sais pas comment c'est. Alors, Gamberi, alors attendez. Ballesteros, DC, 82 en défense, bon, 57 en vitesse, bon c'est un peu... Ça peut même, hein. C'est un peu moisi, Thomas 1, celui-là il a pas des très bonnes stats, les Anglais je les garde pas. On est tombé sur pas grand chose. Moi, c'était un peu un pack de merde. Hein. Ouais. Peut-être que celui-là, on va le garder. Celui-là, on va le jeter. Celui-là aussi, il est pas très. Là, on va le garder les contrats. Ouh, j'ai eu beaucoup de contrats à 28 là. Je me suis dit, j'ai pas eu beaucoup de joueurs. Ça, c'est les contrats à 28 matchs et les contrats hors. Rare. Okay, ouais. Là, celle-là, je vais les mettre en vente parce que j'ai eu beaucoup de. Ils ont bien aussi. Là, tu vas voir, ils vont tout de suite partir. Ils vont même pas attendre que l'enchère se finisse. Normalement, okay. Ils cachent 250. En général, c'est les prix, donc là, je vais les garder. Ouais. Je vais les mettre aux joueurs et je les revendrai peut-être plus cher. Voilà. Forme, on va garder. Morale, on va garder. Morale, équipe, on peut garder aussi. Passe, on s'en fout. Ah, mais nous, voilà la même chose. On va le mettre à 250. Ouais, bam. Wolfsburg, ça m'intéresse pas. Le Vélodrome, ça m'intéresse pas non plus. Atletico, ça m'intéresse pas non plus. Hop. Bam. Ensuite, je te donne l'honneur d'ouvrir ton deuxième pack. C'est parti. Point FIFA. Ouais, point FIFA, faut pas se tromper. Et. Suspense. Kroos, Toni Kroos. Très bon. C'est vraiment pas mal tout ça, je crois. Très bon joueur. Et plus 1000 crédits. Donc attends, je vais te montrer. Donc celui-là, 53 de vitesse pour Valtège. Ou celui-là, M aussi, 80 en tir. 80 en tir, 80. Ouh, celui-là, on va le garder. Hein. Celui-là, on va le garder pour une équipe espagnole. Pereira, 82 vitesse pour un défenseur gauche. Très, très bon ça, pack. C'est pas mal, ça. Ah, c'est un bon pack. Hein. Et Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos, on va le garder, hein, y a aucun problème. Bon, lui, 62 vitesse, je s'en fous. Ouais, bon, celui-là, contrat, on va les remettre en vente. Direct, bam. Il y en a pas mal qui tombent. Les contrats en général, c'est ce qu'il y a le plus dans. Ouais. Attends. Alors là, j'ai fait vente rapide, n'importe quoi. Je me suis trompé. Ouais, donc 13 matchs comme avant. J'espère que ce petit pack opening va vous plaire. Je sais pas si je vais en refaire, ça dépendra de vos commentaires. Et je. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Ça aussi. La forme qui a tout le temps, et puis après je revends, tu vois, c'est des choses qui se vendent bien. Par contre, le moral. Alors attends, mais ça bug. Je crois que ma pile de consommables est pleine. Donc ça va être tendu. Donc quitter Ultimate Team. Donc excusez-moi pour le petit bug, ça va revenir. Je vais revenir dans Ultimate Team. Je sais ce qu'il faut faire, ça m'est déjà arrivé.
faudra juste que je mette dans la pile d'échange, je vais le mettre dans le consommable, ça change rien. Donc voilà. Bon, le temps de chargement est un peu long, mais bon, il n'y a pas de problème. Et sinon, je passe plus de temps sur FIFA, c'est ce que tu as dit avant. Ouais, en ce moment, c'est beaucoup plus FIFA que Call of. Je pense que ça fait 4 jours d'affilée que j'ai plus touché à Call of. Ouais. Et voilà, la pile de consommable est pleine. Donc ça, on va l'appliquer à un joueur directement. Qui est mort. Il est bon. Iniesta, bon, oui, Iniesta, peu importe. Ensuite, Moral, on s'en fout. BUAT, ça intéresse personne. Parc des Princes, on s'en fout. Spurs, on s'en fout. On s'en fout. Et toi, 1000 crédits, tu vois. Ouais. Tu peux recevoir des crédits, 1000 ou 2000 crédits. Ou alors recevoir un mode pack, tu vois. Mm-hmm. Donc là, je vais vendre tout le reste. Donc là, on a quand même eu un bon pack hein, avec Tony Kroos, 1000 crédits, donc c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt cool. Donc maintenant, je vais en ouvrir encore un. Donc, une fois en promo. C'est parti. Attention. Alors là, je n'ai même pas pu voir qui c'était. On va le découvrir. Encore plein de contrats, bien évidemment. Philips, un joueur argent boosté. Qui a vraiment des stats de merde. Très aigué. C'est un concept de vitesse en attaquant. Ça sert absolument à rien. Il était mieux avant. Ouais. Alors là. Ah, y'a pas vraiment grand chose. Lui, on va le garder. 84 de vitesse pour un milieu. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Lui, on va le garder. On va le revendre peut-être plus tard. Et contre Abim, listé élément. Bam. Pareil, listé éléments, bam. Donc 17 piles dans la pile d'échange, c'est bon. Je vais garder que les contrats hors rares de 28 matchs. Ça me bloquera pas ma pile de consommable au moins. Là je suis obligé de les. Bon, on va les appliquer. Donc qui a plus de contrat 26, 18, Busquets, il en a plus que 9. On va le mettre à lui hein. Je sais pas si je t'avais déjà montré mon équipe à toi. Si, juste avant. Avant de lancer la vidéo. Oui. Avant de la vidéo, ouais, il y a moyen. Alors attends, je vais faire un tour là. Sanchez. Je sais pas si ça vaut plus où aller Sanchez. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Les formes. On s'en fout de celle-là. Celle-là, on va la mettre dans la pile de chambre. On va pas la mettre en vente, on va la remettre après dans les temps sur là, on verra. Vitesse, on va appliquer directement. Tu vois, ça augmente les stats de vitesse de 15. Je vais mettre à Falcao, il est pas très rapide. Voilà, 94 dans le vitesse. Ça va le faire. 82, vas-y, on va le revendre. Listé élément, bam. AD, AVD, ça sert à rien. Entraîneur 4-4-2. Ça peut se vendre. Le loss qu'on s'en fout et le loss on s'en fout. Ça je vais peut-être les garder les maillots. Parce que ça les vend pas très cher. Ensuite le ballon on s'en fout. Et on va en reste. Vas-y à ton tour. Donc, toujours la même chose hein. Dans FIFA. Ouais. Donc, j'espère que tu auras autant de chance qu'avant. Espérons. Milner. Je crois qu'il est pas trop mauvais. On va tout de suite voir. Comme ça, de nom, je vois pas qui. Alors, Milner, joueur de Manchester City. Manchester City, oui. D'ailleurs, il y a le derby aujourd'hui. Ouais, United. Oui, donc on va le garder. Sam, MD, 90 de vitesse. Oh. Je pense que je vais me faire une équipe allemande. Hein. Pas mal de joueurs allemands avec Toni Kroos et encore d'autres joueurs. Ouais, on va les garder. Marvin Martin. Ah bah, allez, on le garde. Pas de problème. C'est qui lui? Ibarbo. 91 de vitesse. On va garder, on va voir. Ensuite, lui, on s'en fout. Pour le pied. On s'en fout aussi. Et encore des contrats. Encore des contrats. Bon, alors attends. On va juste l'appliquer celui-là. Pour le joueur remplaçant, on va pas mettre des 28 matchs. C'est un peu débile. Donc, Pedro. Non, pas Pedro. Cristian Tello, voilà. Ensuite, à qui? Match.
Appliquer consommable. La main. Et soldat 2, allez, il a 3 matchs. Ensuite, il reste qui ? Plein de contrats. Ça fait bizarre de voir 24 éléments, ça fait vraiment bizarre puisque d'habitude c'est 12. Vous voyez, hein, vous avez à peu près vu mon équipe, donc j'ai une équipe espagnole, enfin Liga plus précisément. Enfin, c'est un mélange Espagne-Liga. On va pouvoir la montrer après peut-être. Ouais, ou alors je la montrerai dans une autre vidéo où je détaillerai bien mon équipe et mon dispositif et mes tactiques de jeu. On va le mettre à qui ? On va le mettre à son. Très bien. Et ensuite, il reste quoi ? Match. On va appliquer A. Iniesta. Comme ça, il en aura 57. Très bien. Entraîneur, on va aussi l'appliquer. Ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais bon. Je sais que certaines personnes apprécient les vidéos un peu plus longues que au farm, on va les vendre. Ou alors, attends, on va en mettre dans pile d'échange, on va en mettre deux dans la pile d'échange. Le reste, on va avoir mural. Ça, on s'en fout, c'est un peu de la merde. Ensuite, à quoi ? 4, 5, 1. Ça, on va le garder. On va voir, je sais pas encore quel dispositif. Bayern, très bien. Quel dispositif je vais garder. Alors, les maillots, on va les garder. Vente rapide. Allez, bam. Donc, il reste encore. Je ne sais même pas comment on va en acheter. Ouais, il en reste un. Donc, un pack comme ça et un pack hors simple. Donc, j'espère qu'on va avoir plus de chance. On croise les doigts. On croise les doigts. Geeks. Bon, ça va. Geeks, il joue à Manchester. Il joue à Manchester United, je crois bien que c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Manchester United. Bon, c'est un bon joueur. Kallström. Oh, allez. Ça peut le faire. Brillant. Ça va. 88 de vitesse. Ça va, on a pas mal. Diego Capel, 88 de vitesse. 85 de dribble. Pour mon équipe espagnole, c'est pas mal. Ouh, c'est encore un bon dernier pack, on va dire. Ouais. Forme, on se l'a déjà. Ah, je l'ai vu. Je sais pas, on va les conserver dans le club, ceux-là. C'est quoi un arbitre ? Pour le dos, voilà, ça rigole, celle-là. juste voir ce que j'ai. 4-4-2-2, on va peut-être le garder. Ah, j'ai eu les deux maillots de City, je crois. Hein. Ça, on va le vendre. Ou ça, on va les garder. Stuttgart, on va aussi garder. Moral, on s'en fout. Pile d'échange, alors attends, pile d'échange. On va l'appliquer consommable. Ah bah attends, Fabregas. Je sais pas trop à qui appliquer. C'est un peu du gâchis, mais bon. Au lieu de les vendre rapidement, mais c'est pas grave. Moral. Passe, on s'en fout. Ça, on va mettre dans la pile d'échange. Et ça c'est quoi? C'est un 4-3-1-2. Ça se vend je crois. On verra bien. Passe. Et à chaque fois tu vois tu vends quelque chose, ils te prennent une petite commission, tu vois, c'est normal. Mais... On va tout mettre à Del Bosque. Del Bosque. Jusqu'à quand il en aura 99. Au lieu de le vendre, hein. De toute façon je sais que je vais garder cet entraîneur pour cette équipe. Donc autant le. Lui mettre le maximum de contrat moral là. Donc attends, déjà celui-là. Celui-là, on va les garder dans le club. Kallström aussi. Brillant aussi. Lui, on s'en fout. Ah, mais on n'avait pas déjà celui-là. Si, si. Je sais pas. Diego Capel, on va le garder. Lui, il a des stats de merde, donc il en fait à chier. Contrat. On va le lister. Non, il va pas partir aussi rapidement que les autres. On va mettre celui-là. Je vais juste aller faire un tour dans la pile des champs pour voir s'il y a un qui sont déjà vendus, tu sais, comme j'avais mis à chez Mila. Pile d'échange. Alors attends. Il ne peut pas sortir. Alors attends,
utilisation du jeu. Ouais, bon, tant pis, fallait le faire avant, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me reste? Contrat, on va l'appliquer. On va l'appliquer à Valdez, pas de problème. On va en mettre à Juan Fran. À toi. C'est un honneur. Foster. Foster. C'est le gardien, non? Foster, je sais pas du tout. Ouais, c'est un gardien, ouais. Bien vu. Il est pas mal. 81, 22. Ouais. Ah bah deux gardiens. Lui il est un peu là, ça sert à rien. Celui-là on va le garder. Contrat. On va regarder. Modification. Poste. Non. Bon, bah, les contrats, on va les appliquer. On va attendre. Puyol, 23 matchs, très bien. Jordi Alba, on va lui en mettre un après. Voilà, Jordi Alba. Après je vais mettre à Benzema. Le dernier à Benzema. Et puis après je demande de tout me reste en vente rapide. Parce que la vidéo dure déjà une vingtaine de minutes. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc là, les joueurs. Voilà. 16 100 points. Sans crédit, on va voir combien j'aurai à la fin. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu mon équipe. Donc gardien Victor Valdez, ensuite défenseur droit Juan Fran, défenseur central Piqué et Puyol, et défenseur gauche Jordi Alba, très bon joueur. Ensuite Iniesta, Fabregas, Sergio Busquets. Ensuite en attaque, j'ai Di Maria, Falcao et Benzema. En général, à la place de Benzema, je mets David Villa. Enfin, ça dépend des jours. Donc vous voyez, en entraîneur j'ai Del Bosque, en formation j'ai 4-3-3 et en remplaçant j'ai Song, David Villa, Pedro, Sanchez, Soldado, Arda Turan, Raúl Albiol, De Marcos, Cristian Tello et Laura. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo FIFA vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum avec vos potes. Et puis si mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye tout le monde. Bye bye.